Oui, voilà, pour le canal 19, je suis là, les bandes 113, 51 de Dundee 33 sur Sainte-Colombe. Ok, d'accord. Ben, je suis à 50 km de Bordeaux, c'est-à-dire à côté de Castillon-la-Bataille. Et de mon côté, ça marche bien, hein. Ok, ah, on vient de me. Il y a une station qui vient de passer là pour dire là, que c'est le bordel sur Castillon. Ah ben, la station là qui est sur Castillon, c'est peut-être que les gens sont en train de faire leurs derniers achats de Noël. C'est possible ça, puisque ça approche vite. Oui, la station qui est à 13 km de Bordeaux, là de mon côté, là ça marche bien. Hein. Je sais pas, je serai de ton côté là vers les. Attends, j'embauche à quelle heure ce soir? À 20 h. Ouais, je devrais être de ton côté vers les 19 h par là, là, je pense. Alors peut-être que je pourrais t'avoir à nouveau là sur le 19, on sait jamais. Ok, ça marche. Ben moi c'est Rémi. Ou si tu préfères QRZ Dundee 33 ou indicatif DX 14 Kilomike 3301. Non, pour le, là je suis en fixe, mais j'ai les deux. Là je suis au QRA et autrement je suis aussi équipé en mobile. Ouais, ça doit être le QRM qui doit être caché la vue, à hein, tous les coups. Hein. De mon côté, c'est une bonne radio de 5 et un signal de 2. Ok, ça marche, à plus tard. Ouais, la station de Castillon, ouais, si ça se trouve, c'est ça. Hein, c'est très certainement les gens là qui font leur dernière course là, pour Noël. Hein. Non, j'ai trouvé ce que c'était. C'est la DDE qui est en train de mettre du goudron hein, devant le Leclerc. Quoi? Ils se mettent à travailler seulement maintenant? Ben, comme il pleut, le goudron tiendra mieux apparemment. Je sais pas, il paraît qu'il faut le mettre quand il fait beau, moi je pense. Ah oui, chacun sa logique. Hein. Laisse-moi deviner, ils sont 5 et il y en a un seul qui travaille. Bon, c'est à peu près ça, comme d'habitude. Ah, chie trois coups. Non, mais je préfère ça qu'un carton, ça va déjà plus vite. Parce que quand ça cartonne, des moments, j'étais planté, c'est là des fois, il a pour un petit moment. Ah, ça oui. Ah, je pensais plus justement les gens qui faisaient leurs courses pour Noël. Non, non, du tout. Même devant le Leclerc, il n'y a pas. Non, il n'y a pas foule, le Leclerc. Là. Ils ont dû finir les courses ou ils sont pas levés. À 14 h 45, pas levé. Ah, bah, tu me la feras celle-là. Ouais, je sais, moi aussi je travaille la nuit. Hein. D'ailleurs, j'embauche à 20 h pour terminer à 6 h demain matin. C'est que les nuits, quoi. Ouais, principalement, ouais, un peu partout. Là, ce soir, je vais du côté de Cadejac. Demain soir, je vais du côté de Saint-Émilion. Après-demain soir, si je ne me trompe pas, je vais du côté de La Roche-Chalais. Le coup d'après, je serai du côté de Abzac. Ouais, je crois que ce sera pas mal pour la semaine. Après, ce sera l'heure du réveillon. Ah mais je bosse hein, justement le soir du réveillon. C'est moins bon déjà. Eh oui, tous les boulots sont pas parfaits, loin de là. Il y a toujours un inconvénient quelque part. Bah bien sûr, c'est ça, oui. Eh oui. Et t'es en voiture ou en camion? Non, camion.
Ok, d'accord. Ah, mais c'est pas Christophe, des fois? Ah non, du tout. Non, il y a longtemps que je suis équipé, mais non, c'est pas. Comme il n'y a pas grand monde, mais je t'entends des fois sur Bordeaux. Ouais. J'entends, parce que comme tu passes très bien, je t'entends sur Bordeaux. Ouais. Ok, d'accord. De temps en temps, de ce côté-ci, il y a Christophe qui est aussi un mille pattes. Ben, peut-être, non, mais ça me dit rien, non. Non, non, moi, nous, on est du plaignier, nous, et on fait du facture. Hein. Tous les jours, on descend sur facture. Là. Ah oui, d'accord. Oh, mais attends, tu es pas l'un des habitués du Canal 15? Ben là, normalement, on est trois, là, qui est équipé de chez nous, là, on est sur le 1, nous. Le 1? Tiens, je savais pas qu'il y avait du monde sur le 1. D'accord, ok. Voilà, après, on n'est pas des grands spécialistes non plus de la TV, hein. Parce que plus ça va, de toute façon, moyen là, non? Ouh, détrompe-toi. Si tu regardes du côté des réseaux sociaux, ceci, cela, sur YouTube, tout ça, c'est. Disons, ce qui se passe, c'est que l'utilisation a changé. Alors, du côté route comme toi, bien souvent, la CB sert plus de radio-téléphone. Donc, comme tu viens de me le dire, vous êtes sur votre canal habituel. Et là, là, c'est vrai que c'est pas du papotage sans arrêt, juste quand il y a besoin, qu'on a envie de dire une connerie, hache et trois coups. Et pour les autres, eh bien, c'est beaucoup sur les canaux supérieurs en BLU. C'est surtout les stations fixes qu'on trouve en haut. Donc effectivement, c'est vrai qu'au niveau CB loisirs sur les 40 canaux, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est 40 canaux CB utilitaires et canaux sup loisirs. C'est un petit peu, c'est la tendance que ça a pris là aujourd'hui. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que quand tu passes sur le 19, par exemple, il y a de moins en moins de monde. C'est très fort. Eh oui, parce que toi là, par exemple, j'aurais pas répondu à la station qui a lancé appel. Tu n'aurais pas pris le micro non plus, parce que je pense que toi, de ton côté, tu l'as pas entendu non plus. Et quand personne ne prend le micro, eh bien les gens restent en écoute. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est compréhensible, hein. C'est vrai que beaucoup partent du principe que si j'entends personne, pourquoi je prendrais le micro? Eh bien justement, c'est là où il est intéressant de prendre le micro pour, comme tu l'as fait là, signaler quelque chose. Et ça, c'est super cuiro parce que ça fait réagir derrière. Ben ouais, non, mais je sais que de temps en temps, mais c'est vrai que moi, je le fais de temps en temps, mais c'est rare que si quelqu'un se réforme, hein. C'est très rare. Ah, c'est vrai que là, sur ce côté-ci, alors attends, il y a combien de stations? Une que tu as croisée sur le bord là, de la départementale de Castillon. Une autre qui est un petit peu plus près de Saint-Émilion, ça fait deux. Il y a Mario qui est un peu plus loin, trois. Sur Saint-Émilion, il y en a une ou deux. Eux, ils ont des antennes en intérieur, hein, dans les greniers. Tiens, à côté de chez moi, là, juste de l'autre côté de la colline, pas loin de la voie ferrée, il y en a une aussi. Tu vois, il y en a quelques-uns là qui gravitent quand même là autour, mais ils sont tous en BLU. C'est donc, effectivement, tu risques pas de les entendre de ce côté-ci. Sur Libourne, c'est pareil, il y en a, j'en compte 3 ou 4 sur Libourne même. Là aussi, c'est principalement en BLU. Sur la voie rapide en direction de Bordeaux, pas loin de la poste, je sais qu'il y a une station aussi. Alors lui, il reste principalement en écoute. C'est un peu dommage parce que quand tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavard d'un seul coup. Hachis trois coups. Hop, moi aussi, là, je suis en train de te perdre. Tu dois être du côté des feux de Castillon, je pense, ou t'es passé de l'autre côté, là, t'es en direction du 24. Ok, je vais te laisser. Merci pour ce petit contact. Bonne route à toi, la prudence, et passe des bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que 2021 soit meilleur pour tout le monde. Merci, je t'entends tout ça, la station, et pas de problème. Allez, les bons chiffres, à plus. Ok, merci, les bons chiffres retournés, à plus. Voilà, on aurait dérangé du monde qu'effectivement on aurait fait QSY, mais là, au contraire, ça a permis à d'autres de montrer qu'il y a du monde.
que la CB est bien active. Enfin bon, de toute façon, tout est dit là dans cette discussion, dans ce QSO. À chacun sa petite technique. Mais bon, c'est vrai que dans des secteurs isolés où je suis, parce que là je suis quand même à 50 km de Bordeaux, là en race campagne, effectivement, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc là, vaut mieux avoir la CB en convoi ou alors en multimode. Bon, évidemment, le poste que vous voyez là n'est pas des meilleurs pour parler CB, parce que bon, c'est un poste radioamateur. Oups. Mais bon, il me permet quand même d'aller écouter sur des fréquences très basses. Écouter, parce que bon, moi, pour ma part, j'aime bien écouter partout. Je suis curieux de ce qui se passe sur les ondes. C'est pas de l'espionnage, hachi. c'est écouter quelque chose et essayer de deviner où c'est qu'il est, ou plutôt dans quel pays il est, et ainsi de suite. Et en étant sur les 40 canaux normaux comme là, voilà, comme là, lui a donné des infos de la route, et ça c'est vraiment sympa. Surtout pour tous ceux qui sont sur la route, comme des camping-cars, ainsi de suite, Van Life et ainsi de suite, là, qui sont en train justement de se rééquiper, en partie grâce à la vidéo de Voyage. Il y en a quand même déjà pas mal dessus, hein. Mais là, ça a été le bouton déclencheur pour qu'il y en ait encore plus. Voilà, 73-51 à tous, et bonne route, bon voyage, et que 2021 soit encore meilleur. Oui, parce qu'on peut pas dire que 2020, ça soit le caca. 2020, c'est plutôt 0 sur 20 pour le coup. À plus.